Continuer comme ça, pouvoir remarcher un peu, pas faire des grandes marches, mais remarcher convenablement, quoi, avec un bâton certainement, mais enfin pouvoir remarcher, me promener et continuer à vivre, terminer notre vieillesse ensemble. Ce qu'il y a, cauchemar, je n'aime pas. Ça repasse trop le passé. Ça, c'est très dur. J'en fais encore bien. Il y a des fois qu'on repasse le passé aussi, mais qui fait plaisir. Le rêve même, je dirais, étant bien éveillé, on repasse le passé. Retour en arrière, 20 ans, par exemple, en arrière, allez. Dans les circonstances de l'époque, et avec mes sentiments de l'époque aussi, quoi. Et ma force de vivre de l'époque. Voyager. Trouver une amie, quelqu'un avec qui je m'entendais, pour être à deux, ça oui. Partir avec quelqu'un. Retrouver cette ambiance et alors côtoyer tous ces gens-là qui partent pour différents motifs. Moi j'aime bien les rencontres, hein. Et sans me lier, mais parler comme ça un petit peu, ça j'aurais bien aimé. Enfin, j'ai déjà fait beaucoup de choses que je ne pensais pas faire. Donc, voilà. Un rêve. Oh, que tout le monde puisse vivre d'amour. Beaucoup d'amour, de partage et d'amour. Ah, tu sais, tu rigoles, mais parfois je vois des gens qui passent et j'ai envie de leur crier « Je vous aime ». On a besoin de le dire, de le faire sortir. De retourner dans ma maison, à Kibombo, c'est la plus belle maison. C'est la plus belle maison du monde entier. C'est celle qui m'a été donnée. Elle a le plus beau toit du monde. Elle est en vrai chaume. Elle est dans le sable. C'est celle-là, c'est là. J'avais toujours dit, si je pouvais retourner mourir où je veux, c'est là que j'aimerais mourir. Voilà. J'en ai tant. Je rêverais en tout cas certainement d'une autre société que celle dans laquelle on vit. Certainement. Elle serait beaucoup plus ouverte à tout le monde, en donnant le plus de chances de vie à chacun. En évitant surtout toutes les manigances et tout ce qui se pratique pour l'instant et depuis assez longtemps. Société beaucoup plus ouverte et solidaire. Mais si tu veux prendre le pouvoir, a dit Machiavel, il faut tuer Brutus. Il faut tuer les trois fils de Brutus, les trois petits-fils de Brutus et encore les trois arrière-petits-fils. Alors tu peux prendre le pouvoir. Ceci peut expliquer tout ce qui se passe.